Si vous êtes là, c'est votre faute. Si vous aviez su résister... Ah, il va être chiant à parler à chaque fois de culpabilité. Oula. Non, allez. Tête de ma mère si ça marche ce truc. On ne se débarrasse pas de moi si facilement. Je vais peut-être vous l'arracher du bras pour me l'accrocher autour du cou. Quoi, ça a du bon des fois de fouiller. Allez, c'est parti, on retourne à notre quête. Oh putain, une mine. Par réflexe, je l'ai dévoyé au dernier moment. L'air a un goût de cuivre. Ou d'or de l'ancien monde. Si vous êtes là, c'est votre faute. Si vous aviez su résister... Mais moi je m'en fous. Je préférerais avoir un stealth boy. Ce pip-boy, je vais peut-être vous l'arracher du bras pour me l'accrocher autour du cou. Moi je m'en fous, j'ai le... Ah ben ça. Le cheat pour avoir plein d'argent, du coup, hein, s'il y a la Sierra Madre, on va faire le choix de prendre ou pas l'argent, hein. C'est pas un problème. Oula.
Ah pardon. Là c'est bon. Ce Pip-Boy, je vais peut-être vous l'arracher du bras pour me l'accrocher autour du cou. Séparer effectivement. Là j'ai bien tout douillé. Voilà. L'air a un goût de cuivre. Ou d'or de l'ancien monde. Avoir un truc à manger. Pardon, excusez-moi, j'ai toussé, ça a dû vous défoncer les oreilles. C'est parti. Ce Pip-Boy, je vais peut-être vous l'arracher du bras pour me l'accrocher autour du cou. Ah mais ça gave, je l'entends à chaque fois parler. Il y a des bruits chez moi, ça fait flipper. Alors, fallait où? Au moins on s'arrêtera qu'on aura libéré tous les numéros. Vous avez presque réussi à filer, mais la fin de ce crétin a tout fait foirer. Si ces touristes me font un coup fourré, ils le regretteront. On ne se débarrasse pas de moi si facilement. Ah ouais, c'était notre entrée secondaire ici, pour gagner du temps. Alors, où est-ce qu'il faut passer? Je n'arrive pas à croire que ce crétin ait avalé son collier. L'air a un goût de cuivre. Ou d'or de l'ancien monde. Je n'aurais jamais dû émettre ce signal radio en boucle. Ok, monsieur squelette. Asseyez-vous. Discuterons ce Pip-Boy, je vais peut-être vous l'arracher du bras. La Sierra Madre, elle est belle, n'est-ce pas? Vous avez reçu son invitation? Vous n'avez peut-être pas entendu sa voix à la radio. Vous avez dû vous réveiller en panique, comme d'autres avant vous. Au moins, vous êtes en vie. Ah, d'ailleurs, ne vous levez pas et ne gesticulez pas trop, même si la chaise n'est pas très confortable. Le coussin, c'est pour le spectacle.
On dirait que vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts. Votre maman doit être si fière de vous. Pourtant, levez-vous sans ma permission et votre cul va vous remonter si vite à travers le crâne que la lune en sera toute rouge. Alors, restons calmes et courtois et terminons cette conversation sans ombre au tableau. Évitons les malentendus. Voilà ce qui me manquait, un public dévoué. Ce n'est pas parce que je travaille dans le spectacle que j'ai le QI d'une huître. J'ai entendu mon EPAP biper, je sais très bien ce que ça veut dire. Je suis impliqué là-dedans. Je veux casser mon contrat. Et si c'est vous qui m'avez impliqué, je vais être très en colère. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez suivre mes ordres. De quoi parlez-vous ? C'est une clause intéressante. C'est vraiment un contrat d'escroc qu'on vous a fait signer. Qu'on nous a fait signer. Ah ! Bon, d'accord, d'accord. Et moi qui ne voulais pas me marier. J'écoute, mon cœur. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant que la mort nous sépare ? Vous ne me laissez pas trop le choix. La fontaine, hein ? J'espère que l'hologramme fonctionne encore et que la batterie tient le coup. Je vous suivrai, je n'irai pas seul. Pas parce que j'ai peur, hein ? Je n'ai pas l'habitude de me promener avec une escorte. Je suis sérieux. Si un des locaux nous attrape, on n'en reviendra pas. Et je veux vous garder à l'œil. Je sais ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que j'ai placé des mines, des fusils piégés et des explosifs sur la route qui mène à mon petit boudoir. Donc on y va ensemble ou pas du tout. Je n'hésite pas à splitter ma main au Blackjack quand il le faut. Là, je ne splitterai pas dans cette ville. D'accord, d'accord. Mais vous avez déjà de la compagnie. Alors, je vous propose de me rejoindre à la fontaine. Pour me l'accrocher au chemin. J'ai trouvé un raccourci, voyez-vous. Il faut passer par le nuage, mais je vous aiderai si je viens avec vous. À condition que vous n'ayez pas encore forcé la serrure. Oh, il parle de quoi là ? Je n'arrive pas à croire que ce crétin ait avalé son collier. Ah, il faut aller où là ? Alors, carte du monde. Si vous êtes là, c'est votre faute. Si vous aviez su résister. Bah, de toute façon, dans la ville, on peut vite se perdre, il y a tout qui se ressemble. Je vais t'avoir. J'avais presque réussi à filer, mais la fin de ce crétin a tout fait fou. Hé, hey, mais c'est pas mon toutou avec son gros collier, ses chaînes et son boulet ?
Les touristes, bien sûr. Ils ne restent pas longtemps. Et ils ne restent pas longtemps vivants non plus. Ceux qui survivent aux nuages, aux brumeux et aux pièges sont dévorés par la cupidité et pensent à creuser la tombe de leurs voisins. Évidemment, au début, ils pensent pouvoir repartir. Puis ils commencent à réfléchir. Ils se demandent comment ils pourraient tout garder pour eux. Ils commencent à évaluer leurs chances, à prendre des risques. Et ils se descendent les uns les autres, avec ou sans collier à bombes. Bien que... c'est étrange, mais les colliers à bombes n'étaient pas liés entre eux avant comme maintenant. Quelqu'un a dû remarquer le problème. Ils sont morts. Ils ont été massacrés par une des attractions de la villa, par les locaux ou par ce merveilleux climat. Je vous le dis tout de suite, ils ne restaient pas entre eux, et quand ils le faisaient, ils baissaient la garde au mauvais moment. Certains laissaient des panneaux aux autres pour les prévenir des dangers et finissaient généralement tués par quelqu'un de plus cupide. Eh bien, étant donné que ma vie est en jeu aussi, oui, bien sûr. Déjà, il faut rester ensemble. Il faut regarder derrière soi et s'assurer que les partenaires suivent bien. Personne ne doit se promener seul. Autre chose, évitez de courir partout comme un dératé. Chaque centimètre de cette ville est létal. Alors si vous avez un doute, avancez lentement. En parlant de ça, ne criez pas, n'attirez pas l'attention. Restez discret. Si les brumeux vous trouvent, c'est foutu. Vivant, je ne sais pas si c'est le bon mot. Les locaux, les brumeux, je ne sais pas si ça s'applique pour eux. Ils ne sont pas très civilisés, ils ne parlent pas beaucoup, pas du tout même. J'ai essayé de leur parler, de les soudoyer, de leur laisser de la nourriture. Aucun résultat. Eux n'ont pas changé, mais moi, j'ai tout essayé. Quand ils vous attrapent, ils vous traînent dans le nuage et on n'en ressort jamais. Si ça vous arrive, vaut mieux faire exploser votre nœud pape. Mon conseil, ne restez pas sur leur chemin, ils ne meurent pas facilement. Quand on leur tire dessus, ils se relèvent. Quand on les poignarde, ils se relèvent. C'est pour ça que j'ai mis des explosifs partout ici. Il faut les réduire en bouillie, les découper en petits bouts ou les désintégrer pour les abattre. Les munitions sont trop rares dans la ville pour être gâchées contre eux. Donc, à moins d'être un tireur d'élite, gardez la dernière balle pour vous. Bon, vous avez l'air de savoir vous défendre. Une fois, j'ai eu de la veine. J'ai tiré sur une bouteille de gaz qu'un ennemi portait. Ça lui a arraché le bras. Eh bien, il ne s'est pas relevé. Donc, puisque vous avez tant de talent, ne visez pas la tête, visez leur bombe. Et si vous attendez qu'un autre se rapproche, c'est encore mieux. En fait, il y a plus de mystère dans le ciel et sur la terre. Non, il y a plus de philosophie dans le ciel et sur la terre. Oh, laissez tomber. Autant me demander pourquoi je suis devenu cet enfoiré qui ne meurt jamais. Je me fous de savoir d'où ils sortent. Au moins, je peux m'estimer heureux d'avoir encore mes facultés intellectuelles, alors que eux, ils ont peut-être un problème de concentration. Moi, au moins, j'ai toujours eu l'esprit occupé par la Sierra Madre. Mais la plupart des gens n'ont pas ces objectifs, ces besoins. Bref, c'était déjà des fantômes avant les bombes. Pas de raison que ça change, hein? Quoi qu'il arrive, ne les provoquez pas. Normalement, il y en a peu. Un petit groupe au pire. Mais ils sont nombreux dans les parages. Croyez-moi. Quand ils voient un intrus,
Ça fait un peu comme quand on secoue un nid de frelons. Vous n'imaginez pas leur nombre quand ils envahissent les rues. Je m'en... Pourquoi ? Pour ma survie. Il fallait que je sorte du quartier résidentiel pour récupérer des réserves. Et je n'aime pas prendre de risques. La villa est dangereuse. J'ai laissé des armes et des stims pour les coups durs. Et vous avez débarqué en mettant vos mains sales un peu partout. Je suppose qu'on peut parler d'urgence, donc je ne me plains pas. Pas trop. J'ai besoin de manger, enfin, je crois. La villa est bien fournie, même si l'endroit est moins sexy que la cantine à Madrid. Une fois, j'ai trouvé tous ces trucs par ici, et j'avais beaucoup de temps pour expérimenter. Je ne suis pas un grand chef, mais... Bref, voilà le cocktail, si vous avez des tripes. J'appelle ça un Sierra Madre Martini. Grattez du résidu nuageux des murs, écrasez-le dans une boîte de conserve avec de la bouffe de merde. Bouchez-vous les narines et buvez. On trouve des plaques électriques dans le coin, à défaut de feu de camp. Il y a d'autres recettes à base de résidus nuageux. Mais elles demandent des compétences de survie plus affûtées que les miennes. Je m'en tiens au martini. Ah là là, Aline vous absente. C'est votre temps. Mon sang. Ces petits magasins. Pas. Ce genre de machine était banal avant la chute des. Et... En cas d'urgence, on peut obtenir des produits pour tout type. Un peu partout. Tous mes besoins vitaux sont couverts. Le nuage, il est arrivé après la chute des bombes, je crois. Je m'habituais, tant qu'il s'agissait de petites doses. Là, il recouvre toute la ville. D'année en année, il s'élevait de la Sierra Madre jusqu'à ce qu'il finisse par recouvrir le soleil. Je n'ai pas vu le ciel depuis. Il n'a pas l'air de gêner les brumeux, mais il voit mal à travers. Il m'est arrivé de me servir du nuage pour me planquer... dans les cas désespérés. Je m'en... Il y a une zone résidentielle, une clinique, un... Salida del Sol et Puesta del Sol sont le lever et le coucher du soleil. L'est et l'ouest, quoi. Le soleil est caché par le gaz toxique, mais bon... Les brumeux ne viennent pas trop dans la villa, mais à l'est et à l'ouest, c'est une autre paire de manches. Le nuage est épais et mal fréquenté. Alors, lâchez votre second couteau. Hey, mais c'est pas mon tout. Là, nous, là, c'est pour changer de personnage. Je connais un tout petit peu les explosifs. À peine. J'ai fait pas mal de conneries en apprenant, mais j'ai encore tous mes doigts. J'avais presque réussi à filer, mais la fin de ce crétin. Je crois que je vais le lâcher tout fait foirer. Tiens, mécénat. Vous voulez... Je progresserai davantage de mon côté. Ne nous faites pas tuer. Hé, hey, mais... Moi, voyez-vous, je suis pas très discret.